Donc voilà le retour d'aversion qui suit son cours. Maintenant, on a déjà attaché les deux noms. Maintenant, comment on veut, ils vont rester pour le rituel de retour d'affection, retour affectif immédiat. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Et voilà, maintenant, on vient de commencer avec l'attachement. Donc, il va attacher maintenant. Il va attacher maintenant et vous allez voir. Donc, ce n'est pas moi-même qui suis en train de faire ce genre de rituel maintenant parce qu'il faut être dans des conditions un peu plus différentes. Et moi, je ne réunis pas ces conditions. Il ne faut pas approcher femme 7 jours à l'avance. Et lui, il s'est préparé pour ça. C'est pour cela qu'il est en train d'exécuter maintenant le rituel de retour d'affection. Donc, c'est des incantations. Il est en train de dire comme ça pour être en train de faire l'attachement. Donc, on va les attacher pour leur dire comment ils vont rester. Qui va accepter la parole de qui? Qui va écouter qui dans la famille? Dans l'union là qu'on est en train de faire. Donc, c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Et on attache très bien. Donc voilà le cadenas qui va servir à les fermer ensemble. Ce qu'on a fait maintenant, il faut les unir pour que ça soit toujours, ça soit sévère. L'union n'est pas faite pour être encore rompue ou bien encore que la séparation va encore déranger quelqu'un. Donc on va les fermer et la clé sera jetée dans la mer. Donc voilà le cadenas, on va fermer. Il va dire la parole, comment ça va rester. Il va tout dire sur le cadenas.